Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois, comme chaque mois, avec quelques flops aussi, puisque j'en ai quelques-uns dont vous verrez bien. Je vais commencer par les favoris tout d'abord. Bon, comme chaque mois, j'ai toujours un favori, genre plus favori que les autres, vous voyez. Et ce mois-ci, c'est ce bronzer que je vous ai montré dans quelques vidéos, il me semble. C'est le Vivid Bacon Bronzer de Makeup Revolution. Et pour la petite anecdote, celui-ci, je l'avais acheté à Londres. Alors, il me semble que, je sais pas si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, je crois que c'était la fois d'avant. Je sais plus, mais quoi qu'il en soit, ça fait un petit bout de temps que je l'avais dans mes tiroirs. Et je l'avais jamais utilisé parce que... parce que j'ai d'autres produits et que j'utilise toujours les mêmes, enfin voilà, aller chercher. Et j'ai voulu, je sais pas, le ressortir comme ça à tout hasard ce mois-ci. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas découvert plus tôt? Il est absolument merveilleux, il coûte trois fois rien. C'est la teinte Golden Days, donc il se présente comme ceci. C'est un bronzer cuit qui est légèrement satiné, mais sans aucune particule pailletée, donc ça c'est cool. La teinte est super jolie, je l'ai aujourd'hui, je l'ai porté tous les jours absolument. Tous les jours sans faute, il est trop beau. J'ai ensuite ce blush là qui est dans un tout joli packaging qui fait partie d'une nouvelle collection Kiko. C'est la collection Wanderlust je crois. J'avais reçu la collection aux accents cuivre comme ça avec un très joli packaging. Vraiment assez bien travaillé et moi j'ai la teinte numéro 3 Impulsive Mauve. De toute façon j'adore à chaque fois. Tous les blushs cuits Kiko, je les trouve juste formidables. C'est vraiment, je pense, mon produit préféré chez Kiko et j'adore l'odeur. Si vous l'avez ou si vous avez des blushs similaires, ils sentent un petit peu le gâteau à la vanille. Ça sent super bon et j'aime beaucoup cette couleur. Je l'ai aussi aujourd'hui. Après presque 2 ans à me tâter à l'acheter ou pas, j'ai enfin découvert la poudre Secret Brightening de Laura Mercier. C'est la petite poudre, donc c'est pas la grande, c'est la petite pour le contour des yeux, pour fixer l'anti-cerne et illuminer le dessous de l'œil. Ça fait hyper longtemps que je la veux et à chaque fois que j'étais allée à Londres, j'avais voulu me l'acheter, c'était toujours en rupture de stock, c'était nulle part. Donc bon, je m'étais un peu résignée et là, j'ai pu l'utiliser tout le mois et je comprends pourquoi tout le monde en est absolument fan. C'est une poudre qui va vraiment illuminer le dessous de l'œil. J'étais étonnée de voir qu'il y avait quand même quelques petites paillettes, mais ça fait pas too much en fait, ça se voit pas spécialement à l'œil nu, on se dit pas... Ouais, elle a plein de paillettes, elle a fait des chutes et tout sous ses yeux, pas du tout. Ça fait juste cet effet très lumineux en fait, très réveillé, très frais, tout en fixant complètement le dessous de l'œil. Donc je vous l'ai dit que j'étais complètement ma boule des rouges à lèvres liquides. Voilà, et encore, je me suis résignée à vous en présenter que 6, parce que c'est ceux que j'ai le plus mis. Alors vous allez me dire de loin, ce sont les mêmes. Ah non, il y a un flop, il y a un flop. Donc je ne fais plus que 5. Oui, ce sont les mêmes de loin, mais de près... Ils sont tous différents. Vous voyez ce que je veux dire? Seuls les beauty addicts pourront vraiment comprendre toute l'importance qu'il y a dans chaque nuance de produit, de maquillage. Enfin, pour les autres, c'est lambda, ils se ressemblent tous. Pour moi, ils sont tous différents. Je vous jure. D'abord, gros top pour ces deux couleurs en particulier de rouge à lèvres Kylie Cosmetics. Si vous voulez voir la revue, elle sera en barre d'infos si j'y pense, sinon je la remettrai. Parce que oui, j'avoue, j'oublie. Mais mes deux couleurs préférées sont Coco Kay et Candy Kay. Sont celles que j'ai le plus mis, sachant que Coco Kay, c'est ma petite préférée. C'est vraiment celle que je mets le plus avec le crayon. J'adore le combo, j'adore les couleurs. Si vous voulez en savoir plus, voir tous les swatchs, je vous invite à voir la vidéo. Il y a ensuite les Stay All Day de Stila. Donc c'est deux nouvelles couleurs que j'ai beaucoup mis. Donc à savoir la première qui est Bassi ou Bachi, je ne sais pas. Qui est un vrai mauve que j'aime beaucoup. C'est une couleur assez unique en fait que j'adore. Et Caramello qui est un beige neutre. Mais très jolie, nude qui passe avec tout et j'adore la formule des Stay All Day. Mon dernier petit chouchou que j'ai énormément porté, c'est une des nouvelles teintes d'Anastasia Beverly, son teinte donc crush. C'est celui que j'ai aujourd'hui et c'est un rose passe-partout que vous pouvez mettre absolument avec tout et n'importe quoi tous les jours. Toujours dans mes favoris, mais cette fois-ci, le make-up on met de côté, place aux soins. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Le premier que j'ai bientôt terminé, donc vous voyez que celui-ci, ouais, je vais utiliser à mort, c'est... 3-4 mois, ça fait 3 mois et demi au moins que je l'ai, que j'utilise tous les jours, une à deux fois par jour. Donc c'est le sérum Clearly Corrective Dark Spot Solution de Kiehl's. C'est un sérum que je voulais essayer depuis bien longtemps, que j'ai acheté sur le site de Kiehl's. Il est également sur Filunic et vous avez en ce moment, il y a moins 20%, mais bon j'ai voulu le reprendre mais il était aussi en rupture.
Bref. C'est un produit qui fait 30 ml, qui n'est pas très donné. Il coûte une quarantaine d'euros, mais il est hyper efficace. En fait, c'est un produit qui va vraiment lutter contre l'hyperpigmentation. La pigmentation, en fait, de votre... si vous avez des cicatrices d'acné qui laissent des marques, des petites marques rouges, un petit peu violacées, etc. Ça va vraiment à combattre ça, retrouver un teint plus éclatant, moins terne et juste plus uniforme, tout simplement. Et il marche vraiment, vraiment très bien. Autre énorme favori, toujours pour la peau, soin de la peau, c'est un autre masque Glam Glow. Je vous en avais présenté un le mois dernier, il me semble, et donc là cette fois-ci c'est le violet. C'est aussi une nouveauté chez Glam Glow en ce moment, ils en sortent pas mal et ils en ont plein à venir. Donc là cette fois-ci c'est le masque soin raffermissant. Il a une petite particularité, c'est pas un masque qui va sécher comme les autres, c'est un masque peel-off, donc une fois que vous l'appliquez, donc il va sécher, mais vous le retirez, ça va avec les doigts, ça fait comme un effet seconde peau. Vous enlevez pas la peau comme ça, vous inquiétez pas, c'est assez chelou. J'avais montré sur Snapchat un test en fait pour vous montrer comment l'enlever, et en fait vous avez juste à tirer et il y a tout qui suit. C'est trop drôle, j'adore ces masques et surtout ils fonctionnent super bien. Il fait un effet second peau, genre peau de bébé quand vous l'enlevez, c'est assez dingue. Et en plus il a une couleur mais genre hyper argentée, c'est une couleur brillante argentée, c'est trop drôle. On ne voit que ça quand vous l'appliquez. Moi la première fois que je me le suis mis, tout le monde s'est foutu de moi à la maison, je vous le dis tout de suite. Mais maintenant ils sont habitués et moi j'adore le mettre parce que j'adore en dire une boule de disco. Ces derniers mois je luttais un petit peu pour mon contour de l'œil. J'avais terminé ma crème Bobbi Brown depuis quelques temps, je n'avais pas racheté entre temps. Enfin, je savais pas vers laquelle me diriger et en même temps je voulais pas racheter la même. Parce qu'en plus elle coûte vraiment super cher pour un contour de l'œil, mais elle est très bien. J'avais passé une commande sur le site de MAC pour à la base un autre produit qui va aller dans les flops, donc que je vais vous montrer. Et je me suis dit que j'allais tester ce petit, cette crème pour les yeux, qui est dans la gamme Mineralize. C'est la crème yeux Charge Water, qui se présente comme ceci dans un petit pot. Je ne teste absolument jamais ou que très rarement les produits soins MAC, mais ce produit là je vous avoue que j'en suis absolument convaincue. C'est une crème qui est extrêmement hydratante, qui est à la fois très très douce, donc même pour les yeux sensibles, qui comme moi parfois certaines crèmes à l'application, j'ai les yeux qui pleurent, là ça ne me l'a jamais fait. J'en mets même sur le dessus de l'œil parce que comme je vous l'ai dit, j'ai parfois les paupières tellement sèches que j'ai parfois des plaques. Et donc je mets dessus et le lendemain à chaque fois je me retrouve sans rien, juste avec une peau de bébé quoi. Et non c'est vraiment une super super bonne crème. Je pense pour le corps, j'ai totalement craqué pour une nouvelle senteur chez Laura Mercier, donc de leurs soins, de leur ligne pour le corps, c'est la Témante Citron, la gamme Témante Citron. Donc là il y a la brume pour le corps, l'eau de toilette, ici c'est le gel hydratant pour le corps, c'est pas le soufflé, et j'ai aussi le gel douche donc qui est dans ma douche. Mais voilà, j'ai les trois produits, j'adore l'odeur. J'étais un petit peu sceptique au départ, enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre, et en fait c'est une odeur que j'adore. En fait si vous aimez les odeurs assez acidulées, mais pas trop en fait, parce qu'il y a cette pointe d'agrumes très très douce, très fraîche, qui est en même temps un petit peu boisée, j'adore. Pour la saison actuelle je trouve que c'est super rafraîchissant. Dernier favori, c'est un vernis que j'ai sur les ongles et que j'ai pas arrêté de porter ce mois-ci parce que je me tourne davantage en vernis. J'avais envie d'une couleur un petit peu mauve on va dire. Et c'est la seule que j'ai pu trouver dans ces eaux-là. Ça fait très longtemps que j'ai, enfin un petit moment, et je ne mettais pas plus que ça. Et voilà, j'ai voulu essayer un petit peu à tout hasard, comme le bronzer. Et donc c'est Ladylike, je ne sais pas si je l'ai dit. Et voilà, ce qu'il donne sur les ongles, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve qu'il passe partout et je suis à fond de toute façon dans cette couleur. Il ressemble pas mal au Bassi de Stila. En fait c'est la même couleur. Maintenant on passe au flop, et je vous disais que chez MAC donc j'avais un flop. C'est la principale raison pour laquelle j'avais passé commande en plus. Je vous en ai parlé dans une vidéo, donc tous les produits, ces produits que tout le monde aime sauf moi. Et donc c'est le bronzer Give Me Sun de MAC, qui est ce bronzer qui est comme ceci, dont absolument toutes les américaines sont folles. J'ai l'impression qu'elles l'utilisent absolument toutes pour avoir ce teint vraiment des California Girls, super ensoleillé, frais, voilà, hyper glowy et tout. Et bien sur moi, à croire qu'il faut être californienne pour l'adopter, parce que sur moi ça fait pas du tout le même effet. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, en fait il est super orange, et enfin moi je le trouve beaucoup trop orange pour ma carnation, et enfin je trouve pas ça joli, ça fait une démarcation. Ça fait pas bronzer en fait, je préfère les tons un petit peu plus top, plus froid. Là pour le coup c'est juste pas possible. Donc les bases souvent ça passe ou ça casse. Je vous avoue que j'aurais aimé l'aimer, mais c'est pas le cas malheureusement. C'est la Hangover de Too Faced, elle est sortie il y a quelques temps, mais et moi je l'ai pas essayé de suite non plus.
Mais malheureusement, sur moi, bah, ça passe pas. C'est dommage, parce que j'aime bien le packaging. Je le trouve super pratique. J'adore la formulation parce qu'il est à base de coco, d'eau de coco. Mais c'est plutôt une base qui va apporter de l'hydratation. Donc sur ma peau mixte à grasse, c'est pas la meilleure base. Je pense qu'elle est peut-être un peu trop riche pour ma peau, ce qui fait que ça m'a causé des boutons. C'est juste pour ça que je la mets dans les flops. Sinon, après, elle fait son job. Elle fait voilà, une jolie peau. C'est pas nécessairement la base que je préfère, mais à chaque fois elle m'a donné des petits boutons, donc voilà. Sur ma peau, c'est juste pas passé, mais ça passe sur plein d'autres peaux. Si vous avez la peau sèche, je pense que vous allez l'apprécier bien plus que moi. Donc je vous l'avais dit dans la revue, mais je vous le redis dans les flops, je mets aussi le Posy K de Kelly Cosmetics, qui est la seule couleur que j'ai pas du tout appréciée. Ça a été pour moi la catastrophe de toutes les couleurs, parce qu'elle s'est effritée, elle était extrêmement asséchante, ça ne tenait pas, enfin vraiment je vous en dirai plus dans la revue si vous voulez aller voir. Mais malheureusement, cette couleur n'est pas du tout passée sur moi. Et dernier flop, ce n'est pas un produit en soi, c'est un pinceau ELF qui est à la base le Ultimate Kabuki Brush, qui se présente comme ceci. Moi, quand j'avais reçu le dossier de presse, je me suis dit super, ELF fait un pinceau pour le contour, vous savez, voilà, pour le contour. Sauf que quand j'ai reçu, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est énorme. Genre, déjà par rapport à ma main, il est énorme. Mais alors, au niveau de l'épaisseur, il est. C'est trop, ben, je sais pas, mais par rapport à ma joue, vous voyez, ça me prend tout le bas de la mâchoire. Donc c'est juste pas possible, il aurait fallu qu'il soit genre beaucoup plus fin. C'est plutôt pratique pour le décolleté, du coup moi c'est à cette utilité que je vais en avoir besoin, plutôt pour le décolleté, pour poudrer, parce que du coup il est tellement large que c'est plutôt pour cette zone-là. Et donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, finalement j'avais quand même pas mal de choses, comme chaque mois, je m'en répète, mais chaque mois c'est pareil. Sur ce, je vous fais plein plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis voilà, bye!